Donc, depuis que je bavarde là, toi, tu n'enregistres pas. Tu comptes que sur quoi, non? Coucou la GF Family, je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo essayage, comme on dit dans les rues de YouTube, try on haul. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, si c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Sarah aka Naye GF. Alors, je tiens mon selfie parce que tu sais, moi j'ai toujours les problèmes, j'ai tous les problèmes du monde, problèmes techniques, problèmes de santé. Là maintenant j'ai un grave problème d'insécurité. De moi-même parce que mon cou a recommencé à gonfler. En fait, si tu ne sais pas, j'ai un problème à la thyroïde. Donc, j'ai une thyroïde qui fonctionne trop, une hyperthyroïde. Donc, du coup, en été, ça me crée encore un peu plus de problèmes et ça a tendance à gonfler alors que je prends des médicaments et tout. Mais bon, bref. Donc là, j'ai juste envie de faire ça. Voilà. Pour qu'on ne, voilà, qu'on ne voit pas mon gros cou. Donc, avant c'était mes dents, maintenant c'est le cou. J'ai tous les problèmes du monde, je t'assure. Bref, donc j'ai dépensé 300 euros. Je crois que c'est même plus chez Zara et Guess. Du coup, j'ai décidé de te faire une vidéo essayage. Ce ne sont pas des achats que j'ai fait sur internet. Donc, il n'y aura pas de lien en bas de la vidéo. Par contre, si tu es intéressé par les articles que j'ai achetés, je vais juste t'écrire la description des articles. Comme ça, tu pourras aller sur le site ou à la boutique de l'une des deux marques pour te procurer l'article qui t'a plu. L'article. Et puis cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, c'est voilà, c'est de moi-même, c'est mes achats que j'ai fait et puis j'ai juste envie de partager avec toi. Alors normalement, à ce que je sache, ok, les soldes commencent en août sur tout le territoire italien. Si je ne me trompe pas, ça a été renvoyé par rapport à la pandémie Covid-19. Mais dans certaines boutiques, il y a des réductions. Comme par exemple chez Guess, les articles que tu vas voir que j'ai pris chez Guess ont été réduits de 30%. Après, je vais te dire les prix, etc. Et puis par contre, je crois que tous les articles que j'ai pris chez Zara, je les ai payés au prix plein. If I am not mistaken. Donc sans plus tarder, on va commencer avec l'essayage des vêtements. Déjà, ce chapeau, je l'ai pris chez Zara à, je ne me rappelle plus combien, 29 euros quelque chose. Bref, je vais t'afficher ça quelque part là sur la vidéo ou alors en bas dans la boîte de description. Commençons avec les essayages. Ok, bon là, je crois qu'on va commencer par Zara. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Une paire de sandales que j'ai pris chez Zara. 49,95 €, d'accord. Je crois que c'est du orange corail avec les cordes. Ok, c'est ça qui est à la mode, la sandale avec les cordes. Genre, façon. Et ce qui m'a plu sur cette sandale, en fait, c'est les petites perles qu'il y a sur les cordes. Alors, Mister Zoom ne répond pas, il faut focaliser sur mon visage. Donc c'est surtout ce détail des perles, ce ne sont pas juste des cordes tressées, ok, ce sont des cordes tressées aussi, mais c'est les perles qu'il y a dessus, en fait, c'est ça qui m'a plu. Par contre, je trouve la boutique Zara ici à Florence peu fournie. Elle n'est pas aussi petite que ça, enfin, elle a quand même, alors elle a deux niveau en haut, donc 1, 2 et puis le rez-de-chaussée et le sous-sol. Donc quand même pour une boutique grande comme celle-là, elle devrait être un peu plus fournie. Par exemple, il n'y avait pas, en tout cas moi j'ai cherché, je n'ai pas vu le, comment on dit, le reparto en français. Bref, après je parle Google reparto. Il n'y avait pas le reparto TFR, donc Trafaluk en fait. Parce que moi chez Zara j'aime beaucoup les articles Trafaluk, je trouve que c'est super à la mode, c'est super, comment je vais dire, particulier, les choses que Trafaluk fait souvent d'habitude par rapport au Zara normal. Mais bon, cette fois-ci, je me suis, comment je vais dire, je me suis contentée des articles de Zara normal. Donc, j'ai pris cette paire de sandales. J'aime beaucoup ce genre de talons bas, en fait. Moi, franchement, je ne suis pas une fan des talons super, super hauts. Donc, chaque fois que je vais voir des talons bas comme ça, direct, je vais prendre surtout si le modèle me plaît. Parce que je me trouve déjà grande et porter encore des hauts talons, ça me rend encore trop grande. Et puis, ça m'amincit encore plus
Donc du coup, je suis pas trop fan de ça, mais bon, quand je trouve aussi une paire de sandales, une paire de talons qui me plaît vraiment trop et que le talon est haut, bah écoute, je vais acheter et je vais porter, d'accord? Donc voilà. Ensuite, j'ai pris cette mini culotte, d'accord? Ça faisait... Après, je vais essayer. Ça faisait quelques années que j'avais pas de mini culotte jean. La dernière mini culotte jean que j'avais, ça fait plusieurs années et je n'ai plus jamais acheté de mini culotte jean. Va savoir pourquoi. Donc du coup, je me suis dit, bon, il me faut une mini culotte jean. C'est vrai que je voulais le même modèle, mais en noir. J'ai pas vu le même modèle en noir, donc j'ai juste pris un bleu délavé. Alors, pour les mini culottes, je préfère les bleus délavés au bleu foncé, en fait, parce que je trouve que ça fait plus été, ça se rapproche plus du blanc, ça me fait ressortir plus ma couleur bronzée. Tu vois, déjà, cette heure-là qui est en train de revenir, là. Je kiffe. Ça fait vraiment ressortir mon bronzage, ma belle couleur ébène, ma belle couleur noire. Du coup, je préfère le délavé, en fait. Et bon, s'il était un peu destroy, j'allais encore kiffer plus, mais bon, voilà, ça va quoi. Donc, cette culotte, je l'ai pris à 19,95€ seulement. Je kiffe, c'est top. Et puis, j'aime pas trop les courtes culottes qui montrent les joues des fesses là. Je suis pas fan de ça. Donc, je trouve que cette taille, elle est top. Après, on va voir à l'essayage. Ensuite, j'ai pris ce crop top là. Je n'en avais plus qu'un seul, d'accord, que j'ai acheté d'ailleurs il y a de cela 2 ans. Je ne suis pas une grande acheteuse de choses, mais quand j'achète des choses, je préfère acheter des choses, surtout quand je pars à la boutique, je préfère acheter des choses un petit peu chères. Mais je porte pendant longtemps, donc du coup, vous n'allez pas voir beaucoup de vidéos d'essayage de vêtements sur ma chaîne. De temps en temps, ouais, je ne suis pas une grande acheteuse compulsive. C'est vrai que parfois, j'ai des pulsions, mais voilà, pas tout le temps. Juste ce qu'il faut, le strict minimum. Donc voilà, ce crop top-là, façon lingerie, façon. Donc toujours chez Zara, mais je l'ai pris à 9,95€ seulement. Tous ces articles de chez Zara, c'est pris plein. Donc, rien n'a été soldé de tout ce que j'ai pris. Et enfin, cette robe nude aussi, mais nude light en fait. C'est pas très marron, c'est un peu crème façon. Donc, voilà la taille. Après, je vais essayer décolleter, pop les seins, voilà quoi. Alors, cette robe, je l'ai pris à 15,95€. Chez Zara, j'ai pris 4 articles et la facture s'est élevée à 125,75€. Tchin, passons à l'essayage. Par contre, très brièvement, mon avis sur les articles Zara est plutôt positif, ok? Donc, la robe, je la trouve super confortable. J'aime bien la couleur, ça fait ressortir aussi ma belle complexion noire, d'accord? Et c'est un nude, pas nude pour ma peau, donc j'aime beaucoup. Et puis, c'est stretch, c'est vrai que c'est stretch, donc c'est élastique, mais ça ne... Tu vois, ça ne te compresse pas le corps, ça ne colle pas trop. Donc voilà, tu respires. Le chapeau de paille, c'est un chapeau de paille, donc c'est tranquille. La sandale, par contre, je te dirais, si tu décides de l'acheter, quand tu portes, de ne pas trop serrer. D'ailleurs, toi-même, tu vas te rendre compte. Parce que les cordes ne sont pas molles, en fait. Ce sont des cordes déjà assez solides, ok? Et le fait que le talon ne soit pas trop haut, franchement, elle est super confortable. Elle chausse bien. Et elle chausse la pointure indiquée. Donc, elle ne chausse pas petit, elle ne chausse pas grand. J'ai pris ma pointure et franchement, mon pied est à l'aise. Ça me fait pas mal. Mon pied ne glisse pas vers l'avant. Franchement, elle chausse bien pour une sandale talon, ce qui n'est pas très commun de nos jours. J'en ai vu des sandales talon. Et le petit jean, la petite culotte en jean, tranquille, la culotte, elle n'est pas trop courte. Tu vois, si je la déroule, cette culotte, tu vois que les coutures sont bien finies en fait, tu vois les finitions. Donc je peux la porter soit enroulée comme ça, soit je la déroule tout simplement, ok. Donc du coup je trouve ça, comment on dit ça,
dire flexible, voilà, c'est super flexible, d'accord. Tu peux diminuer ou allonger la taille comme ça te plaît. Par contre, un petit mot encore sur la robe, en fait, je dirais que peut-être ils auraient bien fait de mettre des petits fers ou alors un petit truc pour nous aider un peu, tu vois, pour nous qui manquons de poitrine. Parce que en fait, peut-être là, ça ne se voit pas, mais sur la robe, c'est dessiné comme si c'était un soutien, d'accord? Il y a les formes de soutien. Donc, je pense que ça aurait aidé l'esthétique de la robe et notre esthétique aussi féminine s'ils mettaient peut-être une espèce de push-up en bas. Parce que là même, enfin, c'est pas trop, comment je vais, c'est pas trop joli. En fait, c'est comme si ce n'est pas complet. Voilà, c'est comme si le style de la robe n'est pas complet en fait. Donc voilà, c'est le seul petit bémol que je trouverais. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis satisfaite de mes articles de chez Zara. Alors, fort heureusement, j'ai appris à savoir exactement ce que je veux avant d'aller faire du shopping. Donc, je savais déjà d'avance que je voulais un jean noir et je voulais un jean qui me fait respirer. Et avec le temps aussi, j'ai su comprendre chez qui acheter quoi. Donc du coup, mes jeans, je ne les achète jamais, ni chez Zara, ni chez H&M, ni partout d'autre ailleurs. Par contre, j'ai envie d'essayer les jeans de Topshop. J'ai l'impression qu'ils habillent plutôt bien. Et j'ai essayé les jeans de chez Subdued. Je vais t'écrire ça là quelque part pour que tu, je sais pas si tu connais pas la marque ou alors tu regardes dans ma boîte de description, je vais t'écrire Subdued. Eux par contre, ils font des vêtements pour les filles minces, d'accord? Donc si tu es si tu fais à taille en plus de taille 36, ça vaut pas la peine parce que tu ne vas pas trouver ta taille là-bas. Donc taille 36, taille 34 en descendant. Là-bas, franchement, tu trouves des trucs super bien pour les filles minces en fait. Donc, Subdued, d'accord? Je vais t'écrire ça dans la boîte de description si tu ne vois pas ça là sur la vidéo. Donc, par contre, mes jeans, je les prends soit chez Guess, soit chez Levi's, d'accord? Et chez Subdued aussi. Là-bas, je suis sûre et certaine de trouver le jean qu'il me faut, qui me va super bien. Par contre, Guess, c'est tout récemment que voilà, j'ai découvert leur jean et franchement, c'est le top du top. Tu peux pas te tromper chez Guess en fait, en question de jean. Tu peux pas te tromper. Donc, du coup, j'ai pris deux jeans. Ok, j'ai trouvé un jean noir et assez grand. Donc, je crois que c'est un mom fit. D'accord, donc il est grand et il ne colle pas. Je voulais pas de skinny parce que j'ai déjà assez de skinny. Donc je voulais vraiment un truc qui me fait respirer. C'est vrai que je voulais un skinny noir, mais à défaut de trouver un skinny noir, j'ai trouvé un mom fit noir. Donc du coup, j'ai pris tant mieux. Et celui-ci, par contre, il a été réduit à 30%. Avant, il coûtait 99,90€. Et là, je l'ai pris à 69,90€. Par contre, l'article qui m'a le plus plu, c'est cette combi, en fait, en jean un peu délavé. D'accord? Combi effet corset en haut pour les en cœur, la façon. Et ça aussi, c'était soldé à ça, par contre, à 33%. Donc avant, il coûtait 149,90€ et je l'ai pris à 99,90€. Donc tu comprendras que ces deux articles, au total, ça fait 169,80€ environ. Et j'ai pris d'autres petites choses. Du coup, je suis arrivée à une facture de 200€. D'autres petites choses que je ne vais pas te montrer ici parce que ce sont des cadeaux. Donc passons à l'essayage. Par contre, voilà à quoi ressemble le jean de chez Guess. Strictement taille haute, d'accord? Mes jeans, c'est strictement taille haute. Même pas taille moyenne. Taille haute ou rien. Taille basse, c'est moi, c'est social distancing, please. Étant donné que c'est mom fit, donc c'est super confortable, c'est large. Et puis, je voulais aussi un jean comme ça, large comme ça, parce que j'ai pensé à la rentrée, d'accord, à la reprise des cours. Genre, tu portes ça même avec ta Converse, tu es tranquille, un gros pull, parce que voilà mes styles pendant les classes, en fait, super confortable. Et puis, ça va toujours avec une paire de talons. Les jeans mom fit. Donc les jeans un peu larges comme ça avec une paire de talons, c'est toujours un win-win. Que ce soit avec un crop top, que ce soit avec une chemise que tu enfiles, que ce soit avec un t-shirt. Les mom fit en fait, c'est passe-partout. C'est pour ça que je voulais absolument un jean comme ça. Donc voilà. Par contre, voici le seul article que je n'avais pas prévu de prendre.
que j'ai quand même pris. Donc c'est cette combinaison, je la trouve super jolie, super confortable, et pour le prix que ça coûtait, franchement, je n'ai pas hésité de prendre cette combinaison. En fait, j'ai pas hésité de la prendre. En plus, elle a des poches et franchement, elle est super confortable. J'aime beaucoup. Bon, là, j'ai enlevé les talons parce que j'en avais marre de faire les bruits pour les voisins aussi. Donc voilà, en fait, je la trouve très, très, très confortable, très jolie. Et puis, voilà. Voilà la famille, ce sera tout pour les essayages dans cette vidéo et le haul. Par contre, en définitive, ce que je peux dire, c'est que honnêtement et franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidé à mieux gérer mon budget, de savoir à l'avance ce que je pars chercher quand je pars faire le shopping, que ce soit en ligne ou en boutique, ok? Je fais un recensement de ma garde-robe et je sais exactement ce que je veux, que ce soit en chaussures, en vêtements ou même en accessoires, d'accord? Je voulais un chapeau de paille, en fait, parce que j'ai déjà un capello que tu as sûrement déjà vu dans une de mes vidéos. Donc ce n'est pas juste une envie comme ça de capelli, mais je voulais un chapeau de paille, d'accord? Donc je suis allée chercher un chapeau de paille, je suis allée chercher telle forme de jean. Ça te permet d'économiser. La seule chose qui m'a pris sur le coup, c'est cette combinaison, comme je t'ai dit, par rapport au prix. Et je n'en ai pas de combinaison jean comme ça, d'accord? Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Mais ça t'aide vraiment à faire des dépenses quand tu pars chercher des choses spécifiques. Comme je t'ai dit, étant donné que je n'ai pas acheté ces trucs, ces vêtements en ligne, donc il n'y aura pas de lien, je vais juste t'écrire les noms des articles et te répéter le prix à côté comme ça. Voilà, si tu vas l'acheter en ligne, il te suffira juste de copier-coller, que ce soit sur le site de Guess ou le site de Zara, ou alors quand tu pars en boutique, de juste montrer le nom de l'article, whatever. Comme ça, tu ne perds pas le temps à regarder à gauche, à droite, à dépenser n'importe comment, on craint. Donc voilà la famille, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as passé un bon moment. Mets-moi un pouce bleu, partage, commente, abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné. Et quand tu t'abonnes, active la cloche de notification. D'accord. En attendant ma prochaine vidéo, je te fais des grands coucous à tous ceux que tu aimes. Mais surtout, comme d'habitude, fais attention à toi. Mouah! Bye! Si tu es encore là, pourquoi tu ne profites pas pour regarder une autre vidéo sur ma chaîne? Qu'est-ce que tu fais là? Va regarder une autre vidéo ou abonne-toi si tu n'es pas encore abonné.